Comme tu peux le voir, je suis actuellement dans le parc de ma ville. Et aujourd'hui, j'ai découvert que Blue Eye et Bingo vivent ici. En tout cas, s'amusent dans ce parc, comme on peut le voir avec cette image. On reconnaît ici Blue Eye, Bingo. Et on peut le voir qu'elles s'amusent de ouf dans ce superbe parc. Et j'ai l'impression qu'elles sont plutôt vers un toboggan. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais tout faire pour trouver Blue Eye. Et j'ai même mon drone pour pouvoir survoler toute la zone autour de ce même parc. Mais commençons par chercher si elles ne sont pas déjà en train de jouer dans ces petits jeux. Et pour commencer, nous sommes dans les secteurs des jeux pour enfants. Regardez, là, on a un petit jeu pour enfants. Bon, après, Blue Eye et Bingo sont peut-être un peu vieux pour ce genre de petits jeux. Voyons voir de ce côté-là. Ça aussi, c'est quand même plutôt stylé. Mais encore une fois, il n'y a donc pas de Blue Eye vers ici. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, mets tout de suite un gros pouce bleu et clique sur le bouton s'abonner. Tu as 3 secondes pour le faire. Et si tu y arrives, peut-être que Blue Eye viendra chez toi pour bien s'amuser et tout. Ça va être trop cool. En tout cas, cette première zone du parc, il n'y a ni Blue Eye ni Bingo. On devrait avancer vers la deuxième partie du parc. Let's go. On avance tout droit en direction du second parc. Celui-ci contient un toboggan et 2 balançoires. Peut-être qu'on aura plus de chances de trouver Blue Eye, parce que sur l'image, je te le rappelle, ils étaient en train de jouer sur un toboggan. On garde le toboggan pour tout à l'heure, mais venez voir, juste ici, il y a un arbre. Et je crois qu'il y a un personnage sous l'arbre. Venez, on va voir. Mais attendez, mais on reconnaît carrément. Mais c'est Blue Eye. Allez, venez voir, venez voir. On vient carrément de trouver Blue Eye. Là, c'est plutôt la peluche de Blue Eye, ce n'est pas la vraie. Mais t'inquiète pas que durant la vidéo, on va avoir la vraie Blue Eye bien plus grande que celle-ci. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. On a trouvé la mini peluche de Blue Eye. Dirige-nous dès maintenant vers le deuxième parc, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais en tout cas, super cool. On a trouvé la première peluche. Et derrière moi, il y a le parc avec le toboggan et aussi la petite balançoire. Mais tu sais quoi? On garde ce parc pour la fin. Mais je suis quasiment sûr que Blue Eye est en train de faire du toboggan. D'ailleurs, si durant la vidéo tu vois Blue Eye, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est maintenant l'heure de partir dans le plus gros parc. Et ensuite, on retournera du côté du toboggan. J'ai trop trop hâte qu'on te trouve Blue Eye, parce que là, c'est que la petite peluche. Mais la vraie, ça va être incroyable. En plus, je suis trop fan de ce dessin animé. C'est sûrement un de mes dessins animés préférés. Bref, partons en direction du plus gros parc. Regardez le parc, comment il est incroyable. Et dans ce même parc, il y a un parcours. C'est un peu une sorte de parcours du combattant. Et l'objectif est de faire le parcours en moins de 1 minute. Regardez un petit peu. Le parcours va d'ici et on doit parcourir tout ce chemin jusqu'à atteindre les 3 poteaux finales. Je sais pas si je vais réussir à faire ce parcours du premier coup. C'est parti, let's go. On passe par la première étape, le pont de la mort. Allez, let's go. Ok, ça passe. On enchaîne directement avec l'épreuve des toiles d'araignée. Allez, hop, on se faufile. On se faufile, ok. Ça va parce que je suis quand même assez grand, donc je peux le faire rapidement. Quelle est la troisième étape? Wow, ça c'est dur et ça doit bien glisser. Ok, hop, on y va. Attention les potes, c'est très très dangereux ce que je fais. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Yes. Ok, on a accompli la troisième étape. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? Oh, ça, ça a l'air d'être les bûches de la mort. Ok, attention, très très vigilant, ça peut un peu glisser ou quoi. Ok, ça passe. Et c'est bon. Il me reste maintenant l'épreuve finale. Est-ce que je vais réussir à la faire? Let's go. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. J'ai réussi le parcours du combattant. Et ça, je crois, en moins de 1 minute. J'ai donc gagné la médaille. La voilà. En tout cas, on n'a toujours pas vu Blue Eye. Où est-ce qu'elle peut bien être? D'ailleurs, on n'a pas non plus vu Bingo. Donc, n'hésite surtout pas à le dire si tu la vois. En tout cas, voici ici le deuxième parcours. Bon, celui-là est quand même beaucoup plus dangereux. What? J'ai cru entendre un bruit vers là-bas. Je sais pas si vous avez entendu ce bruit ou si même vous avez vu quelque chose. Mais en tout cas, assez intéressant. Bref, voyons voir un peu le deuxième parcours. Wow! Ah ouais! Il y a même des trucs pour s'accrocher et tout. Et regardez celui-là. Là, on est sur le pont de la mort. Mais le vrai, parce que c'est un pont qui est à bascule. Oh ouais, ok. Étant donné qu'il fait pas très beau et qu'il pleut, je vous propose qu'on passe dès maintenant au parc qui contenait le toboggan. Et tu sais quoi? Dans mon sac, il y a un attrape Blue Eye. Tu me crois pas? Regarde ça! C'est une gamelle pour chien. Comme tu le sais, Blue Eye, c'est une chienne. C'est-à-dire qu'elle aime bien manger de la nourriture pour chien. Et juste ici, j'ai de la pâtée pour chien. On part dès maintenant
direction du toboggan. On va installer tout ça et on va voir si ça attire ou non Blue Eye. Let's go. On est maintenant de retour dans le parc avec le toboggan ici, qui est ma foi vraiment stylé. Venez, on se rapproche de plus près. Par ici, il y a donc l'échelle pour monter et aller faire le toboggan. Et de l'autre côté, venez voir le toboggan, comment il est incroyable. Regardez un petit peu la pente de la mort. Et je vais tester avec la petite peluche de Blue Eye. Étant donné que c'est un peu trempé, je vais peut-être pas me mouiller les fesses. Allez, let's go. Et est-ce que t'es prêt? Wouhou! Oh là, elle a fait des galipettes. En tout cas, elle a l'air d'être encore en vie. Elle est un petit peu mouillée, comme je te l'avais dit, d'ailleurs un petit peu sale maintenant. En tout cas, le toboggan est trop cool. Voyons voir les balançoires. Allez, go, 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 go. Et regardez sur les balançoires, qu'est-ce qu'on y trouve ici? C'est la peluche de Bingo. Ok. Ce qui veut donc bel et bien dire que Blue Eye et Bingo sont maintenant capturés. Et rien qu'à moi. Maintenant que j'ai ces petites peluches, étant donné que c'est toujours pas les vrais personnages, il est temps de placer le piège. Je t'avais parlé d'un piège, je vais l'installer tout de suite. C'est parti pour l'étape un petit peu délicate, qui est celle de prendre la pâtée pour chien et la mettre dans la gamelle. Alors c'est une étape un peu dégoûtante. D'ailleurs, est-ce que toi tu as un chien? Dis-le dans les commentaires. Hop. Bon, ça sent pas très bon, évidemment. Let's go, on met bien. La pâtée s'est descendue en un seul coup, regardez. Et franchement, je te conseille de vite mettre un pouce bleu. Sinon, je vais devoir te faire manger tout ça de pâtée. On met bien la pâtée juste ici. Je pense que ça peut être pas mal. Et maintenant que le piège est armé, vite, on va partir se réfugier un peu plus loin. Et je vais tout filmer au drone pour voir si Blue Eye et Bingo vont être appâtés par ce piège. Vite, vite, on y va. Je suis à une planque à peu près 200 mètres du parc. Et c'est pourquoi dès maintenant, on part pour observer avec le drone, est-ce que Blue Eye est ici ou non? C'est parti, on va commencer avec le parc juste ici là. Bon, ce petit parc, on s'était amusé à faire le petit parcours. D'ailleurs, il était un peu compliqué parce que ça glissait beaucoup. Est-ce que on aperçoit Blue Eye ou même un personnage du groupe comme Bingo, sa sœur? Alors, j'ai pas l'impression de voir ni Blue Eye ni Bingo. Si tu la vois, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, je vois pas grand-chose. Il faudrait vraiment bien se mettre plutôt bas. Voilà, à peu près comme ça. Est-ce que on voit un personnage? Là, je vois pas grand chose. Pas de Blue Eye, pas de Bingo, ni même ses parents ou quoi. Donc c'est un peu étrange. D'ailleurs, c'est pourquoi il faut que tu me le dises si tu vois Blue Eye dans les commentaires. On va voir maintenant de ce côté-là. Est-ce que Blue Eye ou Bingo est là? Et bon, visiblement, toujours pas. Où est-ce qu'elles sont passées, nos deux chiennes? Elles sont pas ici non plus. On va continuer. Et vous savez quoi? On va maintenant regarder un petit peu en direction du lac. Peut-être qu'on peut trouver Blue Eye ou quoi. Bon, après, je pense pas qu'elles savent très bien nager. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Je suis maintenant à une autre zone de ce parc et regardez un peu. Alors, on a par ici un petit toboggan. On a même un petit pont suspendu, bah, là où on était tout à l'heure. Mais pas de Blue Eye ni de Bingo. Mais où est-ce qu'elles sont en vrai? C'est bizarre. Attendez, j'ai cru voir peut-être un truc là. Ouais, bon, je la vois plus. En tout cas, j'avais quand même cru voir peut-être Blue Eye, mais pas sûr. Bon, là, il y a un monsieur qui est en train de courir et tout, on va pas le déranger. Allons voir un petit peu du côté du toboggan, l'endroit principal où j'avais laissé évidemment la nourriture. Imaginez que Blue Eye sont en train de la manger. Regardez un petit peu, il y a le toboggan juste ici. Et puis, il y a aussi la balançoire. D'ailleurs, il y a déjà un premier chien. Ah, mais oui, le chien est en train de sentir la nourriture pour chien. Mais c'est pas lui qui doit la manger, c'est pour Blue Eye. Regardez ça, il y a un premier chien là qui est attiré par la nourriture pour chien. Bon, c'est plutôt drôle. Mais Blue Eye n'est visiblement pas encore ici. Est-ce que la nourriture pour chien est toujours là? Ouais, elle est toujours ici, hein, comme on peut le voir. La nourriture pour chien n'a pas du tout bougé. Est-ce que Blue Eye est dans les parages? Je filme dès maintenant la balançoire. Mais visiblement, on peut regarder de gauche à droite. Et je ne vois toujours pas de Blue Eye ni de Bingo. On va filmer de l'autre côté. Et là, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va trouver quelque chose. Regardez ici, il y a Blue Eye qui est en train de s'approcher de la nourriture. Oh là là là, les potes, je pense que ça sent plutôt bon. On va réussir à avoir Blue Eye dans notre piège. Yes, ça a sûrement marché. Là, je me suis rapproché, donc elle a disparu. Je pense qu'elle avait un peu peur. Je crois que la pâtée pour chien a déjà été un peu mangée. Et voyons voir sur le toboggan. Alors là, on est tous sûrs et certains que Blue Eye est ici. Elle est sur les parois du toboggan. Il faut tout de suite que je cours en direction de cet endroit. On a trouvé Blue Eye. Vite, capturons la poupée. Je suis super content qu'on ait vu Blue Eye parce que je suis tellement fan du dessin animé. Je coupe mon drone et on se retrouve directement sur le parc. Nous voilà au parc et regardez, on peut voir que la pâtée a vraiment été mangée de ouf par Blue Eye. Elle s'est bien régalée, hein, on peut le voir. Il reste que des miettes de la pâtée.
Oh, ah, ça sent toujours aussi mauvais par contre. Bref, voyons voir, est-ce que Blue Eye est toujours au niveau du toboggan? Chut, elle est encore là-bas, regardez, regardez. Oh, j'ai attrapé Blue Eye, les gars. J'ai carrément Blue Eye avec moi. Mais maintenant que j'ai capturé la chienne Blue Eye, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Oh, j'ai une idée. Et voilà la petite dernière peluche, on va la mettre, hop là, parmi toutes les peluches que j'ai déjà. Ça en fait une de plus dans ma collection. En tout cas, tu as dès maintenant deux nouvelles vidéos, une qui s'affiche ici, et là tu as ma toute dernière vidéo avec Blue Eye, clique tout de suite dessus.